les a rencontrés avant un café jazz au théâtre municipal d'Épinal. Gaia Quattro, ensemble argentino-nippon, transcende les diversités pour un résultat à la hauteur de la difficulté parfois de communiquer. C'est vraiment très difficile de comprendre la culture de chacun, mais petit à petit, on prend du temps ensemble, le temps de manger ensemble, de discuter. On a fait un panaché, un mélange des langues, qui aujourd'hui, c'est un peu n'importe quoi dans le groupe, mais tout le monde se comprend. On fait partie des deux extrêmes de la planète. Le Japon et l'Argentine, culturellement, c'est très très loin. On est des Latins, eux, c'est des Japonais. Donc, il a fallu trouver des compromis partout. C'est un mélange de sensibilité orientale, d'espace et parfois des sensations très appuyées par les rythmes d'Argentine, d'Amérique du Sud, d'Afrique. C'est juste de la musique du monde. Transcender les diversités, disions-nous, la clé de l'exercice pour Gaia Quattro se situe certainement sur les planches. On a l'habitude de dire qu'avec la musique, c'est facile de se comprendre, mais personnellement, je pense que même dans le domaine musical, on a vraiment beaucoup de différences, comme pour les langues, mais quand on joue vraiment... très, très bien sur scène. À ce moment, je ne sens plus de barrière. I don't feel any border. De cœur à cœur, c'est comme naturel, c'est comme la mère nature, la terre, les esprits se rencontrent et vraiment, il n'y a plus de barrières.